Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. On va parler de sa dernière apparition à New York. Comme vous le savez, Meghan Markle était à New York pour accepter un prix de l'association et du magazine Miss Foundation, qui a été créé et managé par Gloria Steinem, une activiste et féministe célèbre, et ce pour célébrer l'accomplissement de Meghan Markle et son travail pour l'avancée des femmes et son activisme aussi au niveau international. Donc ce prix lui a été remis hier, on a vu la duchesse arriver dans une voiture, elle était entourée de son mari et surtout de sa maman Doria Ragland, ce qui est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à la voir. Donc la duchesse est arrivée, elle était habillée d'une robe dorée sans bretelles, superbe, elle a une très belle forme Meghan Markle, les cheveux sur le côté, jolie comme tout, avec un très beau bronzage, ça se voit qu'elle a beaucoup marché en Californie, elle fait beaucoup de randonnées. Donc superbe Meghan. Quand elle est arrivée dans la salle, il y a eu des applaudissements. Quand on a appelé son nom, qu'elle puisse monter prendre son prix, il y a eu des applaudissements. Ça montre à quel point Meghan Markle est aimée aux États-Unis et sur le plan international aussi. Ces photos ont fait le tour du monde. Il y a des gens même qui sont restés, des personnes en Europe qui sont restées toute la nuit en attendant ces photos-là. Il faut dire que ces photos ont été publiées vers, on va dire, 1h du matin, 2h du matin, quelque chose dans le genre. Il me semble, hein, minuit, 1h, dans le genre. Et là-bas, il était à New York 18h, 19h, peut-être 20h, quelque chose dans le genre. Donc voilà, superbe, très belle duchesse. Vraiment, elle était élégante et il n'y avait pas un truc qui dépassait, ce n'était pas over the top, c'était parfait. Ça rappelle Meghan de soute parce que c'est le genre de tenue qu'elle portait lorsqu'elle allait à des représentations ou alors à des dîners ou alors à des red carpet ou sur le tapis rouge lorsqu'il y avait des événements culturels et aussi du showbiz aux États-Unis. Donc les fans de Meghan Markle étaient ravis, j'étais ravie moi aussi. Donc je suis contente de partager ces photos sur cette chaîne parce que je pense que sur cette chaîne il y a plein de fans de Meghan Markle. Et même pour ceux qui n'aiment pas Meghan Markle, ça fait quand même du bien de regarder, de la voir briller. Je suis sûre que vous n'êtes pas jalouse, hein. C'est pas de la jalousie, mais bon, c'est pour montrer quand même qu'il y a des gens qui l'aiment et qui la soutiennent, et c'est tout à fait normal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.